Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Diomento fait un post dans lequel il annonce l'arrestation d'un jeune blogueur camerounais au nom de Ekon Raphaël. Ekon Raphaël, au groupement de la gendarmerie de Douala. Donc il nous dit que le jeune a été enfermé depuis une semaine au groupement de gendarmerie de Douala, ayant pour motif propagation de fausses nouvelles, bon disons sabotage. Et c'est la comédienne, la célèbre comédienne, actrice de cinéma que vous avez connue dans la série Madame, Monsieur, bon avant ça dans la web série Pargne, Muriel Blanche. Voilà, donc il va plus loin, il s'interroge, il demande à Muriel Blanche. Le président de la République, son excellence, Monsieur Paul Biya, est insulté tous les jours. Mais il n'a jamais fait enfermer ne serait-ce qu'un seul journaliste, ni fermer ses médias qu'il insulte tous les jours. Si tu as décidé, ça c'est le poste de Diomento, si tu as décidé de changer la couleur de ta peau pour devenir Beyoncé du Cameroun, il faut tout simplement assumer. Je voudrais rappeler ici, ce sont pas mes propos, hein, j'ai juste lu, comme vous pouvez voir là. Je voulais rappeler ici que, il y a de cela quelques jours également, le jeune comédien au nom de Papa, bon, Papa Trémy, vous l'avez connu dans sa web série, Papa Trémy a été enfermé, hein, je crois, 2 ou 3 jours, si je ne me trompe pas, par une productrice, actrice de cinéma également au Cameroun, au nom de Flavien Tchata. Bon, je ne sais pas si elle prononce bien le nom. On m'a contacté pour ce dossier. Mais j'ai dit, moi, je ne peux pas me prononcer sur ce dossier parce que je ne connais pas la base du problème. Je ne connais pas comment ça a commencé. À la base, on nous raconte qu'il a écrit une série et après, beaucoup de choses se sont passées. La dame a refusé de mettre son nom comme... Bon, on m'a raconté des tas de choses. Je ne pouvais pas donc intervenir parce que je n'ai pas compris la version de Flavienne. Donc, tout simplement, ce que je remarque, c'est que plus le temps passe, nos jeunes influenceuses, nos jeunes sœurs, usurpent. Donc, bref, comme elles ont tellement de relations avec des grosses têtes au pays, bon, disons dans l'armée et tout le reste, je ne sais quoi, utilisent donc ces relations pour étouffer les enfants des pauvres. Et on s'interroge vraiment, est-ce qu'à cette allure-ci, on va s'en sortir? Parce que moi-même qui parle là, je peux parler comme ça et demain ça cuit sur moi. Sauf que moi, je filtre quand même ce que je dis. Bon, on ne sait jamais. Je voudrais juste dire, maman, quand vous faites du mal comme ça aux gens, supposons, je prends peut-être la partie où j'ai aussi compris, je ne connais pas votre version, peut-être d'une part, vous avez raison. Mais je ne pense pas que condamner quelqu'un, envoyer quelqu'un en prison, c'est une bonne solution. Ce n'est même pas d'abord une bonne image pour vous. Vous êtes des artistes, vous êtes des stars. Vous êtes censé montrer le bon exemple à la jeunesse camerounaise. Et quand vous venez montrer, présenter plutôt le mal, ce sont ces jeunes Camerounais qui vous ont soutenu, qui vous ont élevé jusqu'au niveau où vous êtes. Alors aujourd'hui, parce que vous êtes déjà où vous êtes là, n'utilisez pas donc ces forces-là sur ces jeunes qui vous ont soutenu hier quand vous n'étiez rien, zéro lors de 1. Sachez donc qu'il y a une justice qui existe. Vous pouvez avoir toutes les relations possibles sur terre. Vous pouvez étouffer tout le monde. Mais le dernier jour, le jour du Seigneur, chacun va rendre compte de ses actes posés ici-bas. Alors avant donc de faire des tapages parce que vous avez des relations, prenez parfois quelques secondes, mettre un doigt sur la tête comme ça et dit, demain je ne serai plus et j'ai laissé les enfants. Comment ces enfants vont grandir demain? Vous êtes des mères d'enfants. Vous avez des enfants. Et il y a un truc qu'on appelle le karma.
C'est comme ça que vous vous plaignez. Il y a certains malheurs qui vous arrivent dans votre vie. Vous vous plaignez que j'ai fait quoi à qui? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce malheur m'arrive? Ce sont les actes, ce sont vos... C'est le cœur que vous avez là. Faites très attention. La justice divine existe. Je voudrais donc chuter en disant à vos compatriotes, vous êtes là chaque jour à m'appeler pour me dire « Franco, j'ai été agressé ici, voici les images et tout. » Je reçois, ma secrétaire me présente. Mais je voudrais profiter aujourd'hui pour vous dire franchement, ce n'est pas quand on vous agresse, ce n'est pas quand des actions se passent que vous m'envoyez les images pour me demander de parler. Je ne connais pas la base. Je ne peux pas me permettre de prendre une image et commencer à faire le commentaire sur les images que vous m'avez envoyées et soutenir uniquement votre côté parce que je ne connais pas l'autre version. Donc, on ne dit pas que Franco ne dit pas ceci, on le contacte pour dire ceci, pour nous soutenir, pour nous aider. Il ne le fait pas. Pour parler de quelque chose, il faut comprendre les deux versions. Papa Trémy était en cellule. On m'a contacté d'intervenir. Je ne pouvais pas parce que je ne connais pas l'autre version. Bon, il a été libéré. Mais, je dis encore, Muriel, franchement, l'acte que tu poses là, les Camerounais te prennent à cœur. Les Camerounais t'aiment. Et tu es où tu es là, grâce aux Camerounais. Mais on n'arrive jamais parce que tu peux tomber comme une bille. Ne croyez pas que vous êtes déjà arrivé. Hein? Il y a eu des célébrités plus que vous. Hein? Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Hein? En fait, chacun connaît son cœur et chacun sait où il va. Donc, bon pied la route à tous les méchants. Bon pied la route à tous ceux qui ont un cœur comme moi. Parce que quel qu'en soit vraiment le problème que je peux avoir avec quelqu'un, allez déjà le mettre en cellule. Quand quelqu'un se retrouve déjà en cellule comme ça, c'est risquant. Une semaine, tu peux te retrouver à New Bell. Tu peux te retrouver en prison. Et quand on entre déjà en prison, là, c'est autre chose, les amis. La prison, c'est pas l'ami de quelqu'un. Même si tu entres innocent, si tu fais même seulement, ne confondez pas cellule et prison. Déjà même que la cellule n'est pas facile. Mais quand on dit déjà prison, là, tu peux entrer normal, tu sors zinzin. Tu peux entrer normal, tu sors irrécupérable, tu sors même bandit, alors que tu n'as même jamais volé dans ta vie. Ça redresse comme ça transforme. Faisons très attention. Ce n'est pas un milieu qu'on s'amuse avec. Quand quelqu'un a l'intention de te ôter ta liberté, là, il faut bien réfléchir sur cette personne-là. Ce n'est pas une bonne image ce que vous présentez à la jeunesse camerounaise. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'était le général Franco. Partagez la vidéo, les amis. Je vous ai dit, la page est restreinte. Partagez-moi cette vidéo. Et si quelqu'un est nouveau sur ma page, abonne-toi tout simplement. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.